Voilà, Point rouge. ah oui, Ouais, c'est c'est bon. vrai. Ça enregistre là maintenant. Ah, ok. Du coup, on regarde les questions pour épistémologie et Ouais. histoire. Ok. Alors, je sais pas qui veut commencer. Mais vous avez eu, peut-être refaites votre discussion sur Condillac, puisque moi, j'étais pas là. Ah, ok. Alors, On l'a raté, et comme ça, les autres, l'auront aussi, quoi. en fait, il m'avait demandé, en fait, c'était le texte qu'on disait que tu n'avais pas compris, c'est ça? En fait, c'était le truc avec la statue. J'avais pas compris exactement où il voulait en venir avec. Voilà, et moi j'ai dit que selon moi, bon, c'est philosophique. Mais qu'en gros, la statue, c'est toi qui avais dit, en fait, c'était l'homme, mais dissocié de ses sens. Ouais, j'avais compris comme ça après. Et en gros, de ce que je lis dans ce texte, c'est que les sensations sont à l'origine de la connaissance. Mais les sensations, après, moi, j'ai pas tout compris, c'est pour ça que je voulais aussi poser des questions, mais les sensations, elles sont créées à partir d'expériences. C'est quand même une théorie empiriste. Et d'abord, il y a la. C'était quoi d'abord? Je sais plus c'était quoi. Si c'était d'abord, il y avait la vue. Ah Pour... oui, ça je crois que j'avais pas pu Oui, prendre toutes les notes dessus. je vais regarder. C'est pas épistémologie, c'est histoire Oui, c'est de... dans l'histoire de la psycho. Ouais, ok. Oui, moi je me souviens de ça. En tout cas, j'étais au cours et je crois qu'il y a un rapport avec Descartes, parce que Descartes avait, moi je suis pas toujours d'accord avec lui, mais il avait une idée Ouais. de l'automate. C'était une époque où il faisait déjà moi j'ai fait de la robotique et je sais qu'il y a eu des tentatives de faire des statues extrêmement. Il y a l'histoire de Pygmalion, il y a toutes sortes de récits de statues tellement belles que les gens tombent amoureux de la statue. Ou bien il y a des histoires de mécanismes tellement incroyables qu'on dirait que la statue est vivante parce qu'elle arrive à bouger, etc. Mais c'est des mécanismes, en fait, c'est pas du tout. Il y a un exemple à Neuchâtel, on a eu en Suisse un type qui faisait des automates incroyables, je crois que ça s'appelle, ils font des montres aussi, ça coûte un saladier, ça coûte extrêmement cher, mais c'est j'ai oublié le nom, il y avait Vaucanson qui avait fait un canard qui faisait caca, c'était un robot d'un canard qui faisait, tu pouvais lui donner à manger et il faisait un caca, et il y avait un autre. Il y avait des petits robots qui pouvaient jouer de la musique, un autre qui pouvait écrire, et c'était programmable. Et ça date du 17e siècle ou 18e siècle au maximum. Donc c'était des exemples de robots extraordinairement bien construits. Mais du coup, les gens se demandaient, est-ce que, on pourrait faire un. Voilà, est-ce que dans la tête, il y a aussi des mécanismes, mais qui marcheraient avec de la chimie et de l'électricité, c'est ce qu'on pense. Un peu aujourd'hui. Et voilà, et après, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une question comme ça de la statue par rapport à. Ouais, alors, il y a mon frère qui arrive, c'est pour ça que je suis distrait. Donc, du coup, je vous laisse parler, pardon. Il y a une histoire d'empirisme et de dinaïsme et Oui, parce qu'en fait, avec des robots, on sait exactement comment c'est construit.
Mais aujourd'hui, les robots qui apprennent, ça s'appelle le machine learning. C'est quand tu construis un robot qui apprend et qui peut apprendre des nouvelles choses. Il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à, si vous achetez des robots pour vos enfants, etc., ça commence à arriver, mais. C'est vrai, il y a une question d'innéisme dans ce que tu dis, parce que là, dans les notes, je vois bien que c'est écrit un objectif similaire à la psychologie, donc par rapport à la statue, c'est-à-dire étudier les origines, la formation d'idées, d'habitudes et de facultés. Mais après, Descartes, c'était pas un peu différent de ce que disait justement Ben Condillac. Ah non, je crois que ça va dans le même sens. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est Descartes, du coup, il soutient que les idées, elles sont innées en nous. Mais chez Condillac, est-ce que les idées sont idées innées en nous ou pas? Parce qu'il parle en fait d'une sorte d'introspection. Et cette introspection, est-ce qu'elle est liée en fait à des idées qui seraient déjà présentes? Ou bien ce seraient des idées, c'est ça que j'avais noté dans les notes, j'ai pas bien compris en fait. Moi, j'ai pas lu. Est-ce qu'il a donné un texte de Condillac? On a pu le lire, le texte original ou pas? Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'était tout, Il mais avait c'était donné un extrait, je crois. un extrait. Que ça, je le retrouve pas. Je le retrouve Ça pas. s'appelle le sensualisme. Je pense que c'était un extrait très très long ou très court. Parce que moi, j'ai pas imprimé les extraits longs. Bon, Non, parce il que était très court, je crois. très Oui, court. c'était quelques phrases. Ah. Merde, alors je retrouve pas ça. Mais de ce que moi j'ai compris en tout cas dans le texte, c'était que la première étape, c'est l'œil qui voit une image. Mais, ah oui, voilà ça. Mais il faut plus que la vision pour déterminer la grandeur, la distance et le volume. En fait, il faut un croisement des sens. D'accord. Et la deuxième étape, c'est par l'expérience, quand il touche le bâton, l'expérience, l'œil voit. Et c'est pour ça qu'on parle d'oculomoteur. Et la troisième étape, c'est il fait recourir ensuite à la mémoire pour se souvenir en fait Ah, de cette mais expérience. je crois qu'il me rappelait aussi qu'il disait que les sens se complétaient entre eux. Oui, ils se complètent entre eux. En fait, il y a un croisement. C'est-à-dire que je peux pas. Je sais pas comment dire, mais il avait donné un exemple, hein, donné avec les couleurs, il me semble, où. Au Oui, tout départ, voilà. en fait, tu penses que les couleurs, elles sont sur ton œil, parce que tu vois la couleur, je ne sais pas si c'est obscur ou bien clair. Et c'est après, la statue, elle porte la main sur ses yeux et elle remarque la couleur, elle disparaît. Et à ce moment-là, elle comprend qu'en fait, la couleur n'est pas à l'intérieur d'elle, mais qu'elle est à l'extérieur, en fait. Et il y avait un rapport que je n'ai pas bien compris, d'intérieur, c'est-à-dire l'âme, et que l'extérieur Ah était. oui. Mais. En tout cas, j'ai l'impression que la statue, elle est censée n'avoir aucun préjugé, aucune connaissance préalable, mais en fait, ça Aucune veut rien. performance en fait. Oui, mais ça, c'est impossible, ça, en fait, malheureusement. Je sais que Alan Turing aussi a pensé ça. C'est lui qui a trouvé la machine pour décoder le code des nazis, que les nazis utilisaient pour encrypter des messages. Donc c'était une étape majeure pour gagner la guerre contre les nazis. Lui, il a écrit un article très célèbre sur où il compare les enfants à des pages blanches. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est tous quand même différents et on a tous un ADN différent et on a des structures innées quand même. Après, ça dépend. Je veux dire que ça, c'est justement le débat de Chomsky. C'est Elisabeth Spelker en 1995 sur la théorie des connaissances fondatrices qui a repris ce programme innéiste. Après, il y a des gens qui vraiment se battent parce qu'ils veulent créer
une position un peu radicale, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve ça, il y a un côté positif de la page blanche, c'est de se dire qu'on est tous face à certaines choses, on est tous des débutants et qu'on est tous équipés de la même manière pour comprendre des nouveaux problèmes. Mais, donc, c'est utilisé beaucoup en sciences de l'éducation pour dire que tout le monde peut apprendre tout. Tout le monde peut devenir n'importe quoi. Voilà, si tu un enfant, tous les enfants sont à peu près égaux devant. Si on leur donne la bonne éducation, ils peuvent tous accomplir les mêmes choses. Après, voilà, ça c'est le débat sur les prédispositions génétiques. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et pas et d'autres pas. Non, et puis il y a des gens qui disent oui, c'est parce que c'est mon fils qu'il est si intelligent. C'est difficile de ne pas être d'accord avec eux parce que ça, ils seraient vexés. Mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est dans les gènes et en fait c'est pas du tout vrai. Donc, mais la statue de Condillac, il y avait des questions, je crois, précises, il me semble. Ouais, donc là, on a parlé de tabula rasa. Et c'est l'idée de qu'est-ce qui est déjà dans les. Est-ce que Chomsky a prétendu, il a essayé de défendre l'idée que dans le langage était. Il y a des structures dans le cerveau qui font que, par rapport à un animal, c'est très facile de parler, mais on a vu avec Janta l'enfant sauvage, qui est un enfant qui a grandi avec des loups et qui n'a jamais pu parler. Parce que ça, c'est la question de expected dependence. Et avec Fergaver, on a vu un truc, on a vu qu'il y a des chats, on avait cousu leurs paupières et ils ont du coup jamais pu voir de leur vie. Parce qu'ils ont la capacité de voir, ils ont les circuits qui se développent, mais il faut à un certain moment fournir les bons stimuli parce que sinon ça peut pas se développer. Donc il y a des facteurs innés et il faut à la fois l'environnement, il faut un bon environnement et à la fois les bonnes structures neuronales qui sont codées dans l'ADN et les deux sont nécessaires. Et s'il y a pas l'un ou l'autre, on ne peut pas. Voilà, un animal ne pourra jamais apprendre à parler. En tout cas, peut-être certains singes, mais pas à des chiens ou pas. Peut-être les perroquets. Il y a certains perroquets, je crois, et certains singes qui peuvent un tout peu parler ou avec les gestes. Ils peuvent s'exprimer avec des gestes, mais pas les chats auxquels on a cousu les paupières. Ils pourront jamais voir parce qu'en fait, il y avait juste une période au tout début de leur enfance où ils auraient pu apprendre à voir si on leur avait montré de la lumière, si on les avait laissés courir dans le jardin après des souris, etc. Mais si on le fait pas, ils pourront plus. Et ça, c'est cruel d'avoir fait cette expérience, mais ça a prouvé qu'il y a vraiment des étapes dans le développement. Aussi, je crois qu'elle avait dit, Fergaver, use it or lose it. Ça veut dire, si tu n'utilises pas ton cerveau, si tu n'utilises pas maintenant ton cerveau pour vraiment bien stimuler avec plein de choses difficiles, c'est possible que tu ne puisses pas développer certaines capacités intellectuelles parce qu'après, ce sera trop tard. Et moi, j'y connais rien. Mais il y aurait des périodes dans la vie où c'est le bon moment pour stimuler et que si tu n'utilises pas cette fenêtre, de temps, après c'est fichu. Donc voilà, c'est moi ce que j'ai compris. Je sais pas, c'est justement ça fait écho à Condillac parce que il utilise bien les termes. Parce qu'après j'ai regardé la vidéo où il parle de Condillac aujourd'hui. Il utilise bien les termes comme par magie. En fait, il y a des objets qui se présentent à toi et grâce aux organes humains, c'est-à-dire grâce à il y a un côté inné, c'est-à-dire que si on n'a pas ces organes humains, on n'est pas capable de faire ces expériences. On arrive en fait à prendre les objets et à voir que cet objet n'est pas... à faire des différences entre les objets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, je vois. Mais c'est ça que je ne comprends pas parce qu'il y a une dimension
d'empirisme en fait dans Condillac, mais en même temps il y a une dimension de tabula rase. Et l'histoire de toucher avec les yeux, il me semble. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un a répondu à une question de Janta sur l'intermodalité. Je sais que Janta, il est connu au niveau mondial pour ses travaux sur l'intermodalité, c'est-à-dire passer d'une modalité au sens des sens, les cinq sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, donc ouais, la vue, je sais plus les cinq, le goût, l'odorat, les cinq sens et le toucher. Et si tu passes de l'en... Il y a des enfants qui comprennent, si tu leur donnes un objet dans la main, ils comprennent que c'est le même objet qu'ils ont senti avec la main et qu'ils ont vu. Mais ça se fait pas tout de suite. C'est pas automatique. Je sais que pour ma fille, on lui a donné des hochets parce que le hochet, en fait, quand tu fais ça, en fait, tu entends le bruit. Et tu fais ça et tu comprends qu'en fait, le bruit est ta main. Et que mode, tu peux contrôler le rythme. Et ça se connecte dans le cerveau pour la musique et pour la coordination sensorimoteur pour les tout petits, pour apprendre en fait le lien entre ce qu'on sent. Et du coup, il y avait Molineux aussi, le problème de Molineux. Je crois qu'on en a parlé aussi. Ah oui. Mais le problème de Molineux, c'était de savoir si quelqu'un est aveugle, ouais, si quelqu'un est aveugle et qu'on lui ouvre les yeux tout d'un coup, est-ce qu'il peut... Reconnaître l'objet qu'il a tenu au préalable. Voilà, quelqu'un Ouais. qui est aveugle, il a vécu quand même toute sa vie normalement, il a pu prendre dans ses bras des gens, parler, entendre la voix des gens, mais il n'a jamais vu le côté juste purement visuel. Mais il a pu toucher leur visage, il a pu entendre leur voix. Et est-ce qu'il est... Voilà, moi, si je touche les cheveux, quelqu'un qui a les cheveux crépus ou qui a les cheveux longs, mais je ne saurais pas reconnaître ça si j'ai jamais vu ça. Parce que ce serait la première fois que je vois. Et au début, on ne comprend rien. Et puis, il y a l'histoire des chats avec les yeux cousus. En Mais tout cas, d'ailleurs, il n'a pas eu de conclusion à ce problème de Molineux parce que sur le moment, ils n'arrivaient pas à faire cette expérience, non? C'était oui, juste un aujourd'hui, problème. on peut. Il y a un Indien qui a réussi à. J'ai vu l'autre jour que, comme aujourd'hui, il y a des types de maladies des yeux qu'on peut soigner, on a pu réellement résoudre le problème c'est-à-dire que on a pu réellement redonner la vue à des aveugles et du coup voir si, oui ou non, ils étaient capables de faire ça, alors qu'avant, c'était juste une expérience, c'était purement philosophique, c'était vraiment une expérience de pensée où on se disait, si je pouvais faire ça, je pourrais pas, mais si vraiment on pouvait le faire, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Et en tout cas, l'intermodalité, c'est si je te donne un objet et que tu peux pas le voir, est-ce que tu arrives quand même à reconnaître? Est-ce que tu peux quand même le dessiner? Si tu mets ta main dans un sac, il y a plein d'objets, tu peux pas les voir, mais juste les toucher. Est-ce que tu peux les dessiner sur la base de ce que tu sens? La plupart des gens arrivent, mais pas forcément bien. Ça se travaille. Ça se travaille. Mais c'est l'intermodalité, c'est la correspondance des sens. On a vu la synesthésie, c'est pas la même chose, mais en neurologie, on a vu un peu la synesthésie. C'est le fait que certains sens évoquent d'autres sens, mais c'est pas la même chose. Ouais. D'ailleurs, je peux te répondre si jamais pour la question d'intermodalité qui a été posée sur le dossier. L'enfant, mais je ne sais plus à quel âge, je ne sais pas si on parlait de prématuré ou pas, il me semble pas. Mais en tout cas, si ça m'avait étonnée parce que j'avais lu comme quoi un esprit dans la main droite est reconnu quand il est vu. Par contre, un objet qui aurait été pris dans la main gauche, si on a la vision, il n'est pas reconnu en fait. Il est reconnu seulement au niveau du toucher, mais pas au niveau de la vision si c'est dans la main gauche. Et ça, je ne sais pas si c'est une question de droitier, gaucher, je ne sais pas. Wow, ça, donc ça change d'une main à l'autre. Ouais, voilà.
Ça, j'avais pas compris ça. Et il avait dit aussi que le contraire, c'était pas. Mais je sais plus si c'était pour les enfants prématurés ou pas, ça. Mais qu'il y avait un cas où, en tout cas, c'était beaucoup plus simple de se rappeler de quelque chose, de comprendre que quelque chose qu'on a vu est la même chose qu'on a tenue que l'inverse. C'est-à-dire, si je vois quelque chose et après je le tiens, je ne reconnais pas que c'est la chose que je viens de voir. En tout cas. Mais ouais, c'est pas clair pour le truc de Condillac. Je pense que bah du coup, je vais promettre ça. Je sais pas quand est-ce que les profs, on peut leur poser des questions à nouveau sur les mails. Honnêtement, je sais pas. C'est que tu peux toujours le Ouais. faire. On peut essayer de le faire, mais. Parce que je sais pas si c'est en lien avec l'empirisme, avec l'innéisme, parce qu'il parle bien d'empirisme et de tabula rasa, je comprends pas. Aussi, il dit que l'âme, du coup, c'est ce qui se modifie et qui est à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il fait comme division avec les âmes. Je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Moi, je vais refaire du coup. J'ai pas encore révisé cette partie du cours, donc je redécouvre ça. C'est dans les pré-scientifiques. C'est dans les pré-scientifiques, je crois. Moi, je n'ai pas divisé d'ailleurs comme toi par Attends, le. je vais voir sur mes notes. Parce que toi, tu as divisé selon les périodes, moi, j'ai divisé selon les modules qu'il a passés. Ah. Oui, c'était dans le premier module. J'étais toujours dans le premier module, dans les psychologies pré-scientifiques. Bon, en tout cas, ce qui intéresse Radcliffe, c'est toujours l'épistémologie génétique, parce que c'est ça son truc. Donc, c'est-à-dire l'épistémologie génétique, c'est la genèse des connaissances chez l'enfant. D'où viennent les connaissances? Quelle est l'origine des connaissances chez l'enfant? Et c'est vrai que Piaget a montré par des expériences que à peu près tous les enfants arrivent à peu près au même âge, à faire les mêmes choses. Mais après, il y a des retards ou pas. Mais qu'en gros, ça suit plus ou moins les mêmes. C'est Gesell aussi qui disait ça. C'est un maturationniste qui s'appelait Gesell qui disait aussi que. Mais on sait que c'est pas purement, c'est pas du constructif. Ouais, il faut quand même. Ça dépend aussi du milieu et de l'éducation. Mais il y a quand même dans les gènes un programme qui fait que normalement, dans un environnement classique, tu vas développer toutes ces facultés-là. Et puis que les âges se retrouvent, en fait, d'un enfant à l'autre. Qu'il n'y a pas vraiment de très grande. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander à des enfants. Ouais, qu'il n'arrivera pas. La conservation de la quantité, il ne faut pas se fâcher que si un enfant ne comprend pas que dans un récipient plus mince, il a l'air d'avoir plus parce que c'est plus haut. Oui, je comprends. Mais c'est des choses que nous, on a oubliées parce que on n'est plus des enfants et que c'est devenu tellement évident. On a tellement intégré ces notions de volume, de quantité, de masse, parce qu'on sait utiliser une balance, qu'on sait mesurer. On a intégré comment calculer un volume, que c'est le volume, c'est la hauteur fois la surface. C'est des choses qu'un enfant ne sait pas. Après, effectivement, je sais qu'il y a des problèmes aussi il y a des cultures. Surtout en Afrique, je pense qu'il y a probablement qui sont vraiment différentes des nôtres et peut-être que là-bas, ce ne serait pas la même chose. Parce que Piaget n'était pas ethnologue. Il n'a pas vraiment été en Afrique lui-même beaucoup. Il n'a pas pris le temps de faire ça. Alors, après, est-ce qu'il a discuté avec des ethnologues comme Lévi-Strauss, etc.?
Parce qu'après, il y a des variances cross-culturelles qui sont où c'est complètement différent. Si tu vis différemment, et puis après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Piaget aussi, qui disent que l'enfant n'ose pas se discuter avec l'éducateur. Donc, il ne va pas dire. Dès qu'il y a des conflits de type être accusé d'avoir volé ou qu'il y ait moins ou qu'il y ait plus, il ne veut pas trop se fâcher, l'enfant, parce que de toute façon, il dépend de l'autre. Donc, il ne peut pas lui-même aller acheter des oranges pour refaire du jus d'orange. S'il y a moins de. Donc, il doit aussi. Il a plus besoin d'utiliser des stratégies de défense. Et il doit se montrer le plus gentil et le plus adorable possible, parce que sinon il va se prendre des punitions. Et si parfois même il est plus intelligent que l'autre, mais il va pas le montrer parce qu'il sait que ça pourrait lui retomber dessus après. Donc ça ils en parlent pas tellement dans les expériences de Piaget, quoi. Mais je pense qu'il y a eu des textes là-dessus qu'on n'a pas étudiés. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Je pense que c'est toi, Paco, ou je sais pas. Ou peut-être Michael. Que faut-il retenir du immediacy factor? Ouais, c'est moi qui ai mis ça. Alors, moi, j'ai pas ça dans mes notes, donc j'ai pas dû noter. Ouais, moi aussi. C'était où? Dans quel. C'était dans le troisième? C'était à propos de quoi? T'arrives à un peu contextualiser? Ouais, c'est dans le cours d'épistémologie que j'ai fait aujourd'hui. C'est le cours numéro 3. Et c'est un article qui nous a envoyé. Je ne sais pas où je l'ai mis cet article. C'est un article. Épistémologie. Ok, alors je change de. C'est cet article-là. Je ne l'ai pas lu, alors je ne sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est un article comme ça, très court, mais qui parle en fait de la production de la connaissance aujourd'hui, parce qu'il regarde un petit peu quand tu. C'est-à-dire que les articles scientifiques d'aujourd'hui, à la fin, tu dois toujours mettre des références. Donc, tu as une partie référence où tu dois citer des gens. Et il a fait une étude, en fait, là-dessus, sur qui cite qui, et surtout sur les durées de. Les gens citent, est-ce qu'ils citent des gens très récents ou pas? Parce que c'est vrai qu'on cite rarement Aristote ou Condillac, sauf si on est un historien des sciences. Alors que pourtant, ça pourrait être intéressant de citer toujours, de revenir à Aristote pour chaque chose qu'on fait. Mais ce n'est pas tellement comme ça qu'on fait de la science aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent qu'aux résultats à très court terme. Sur le très court terme, en compétition avec d'autres gens qui sont même vivants ou qui viennent de publier quelque chose. Ouais. Ok. Bah alors, je pense qu'il a dû le mettre récemment. Je n'ai pas vu, alors je n'ai pas lu. Ah. Du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de collaboration. Je n'ai pas compris ça, en fait. D'après ce que tu as dit, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de collaboration, il y a plus une compétition entre les chercheurs. Il parle de ça dans ce cours-là, mais c'est pas le sujet de l'article en question. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il parle justement de la compétition, parfois même qui fait que des gens ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à s'en sortir dans leur travail parce qu'ils ont eu trop de compétition et ça les a détruits. Ils ont plus la motivation, ils n'ont plus le courage. Ils abandonnent. Il y a des gens qui abandonnent carrément les études, la recherche, qui abandonnent tout et qui vont devenir. Ouais, qui vont même arrêter la science, qui vont faire autre chose, quoi. Parce que parfois c'est comme ça, vraiment très très violent la concurrence. Mais là, en fait, c'était pas ce truc-là. Cet article-là, faut juste le lire normalement.
faut le lire au bon moment, c'est-à-dire au moment du cours 4. Ça concerne simplement, c'est une analyse un peu bête et méchante de qui cite qui et combien les gens citent en général. Est-ce que les gens, quand ils font un article scientifique, est-ce qu'ils citent 100 papiers ou 7 papiers ou 50 papiers? C'est une analyse un peu de ça, de qui, de comment les gens citent les autres. Mais évidemment, c'est une critique de la science, c'est une analyse de la manière de faire des sciences depuis le XXe siècle. Ça ne se faisait pas tellement comme ça avant. Aujourd'hui, c'est très compartimentalisé, c'est très spécialisé, sauf si on est philosophe ou historien ou comme ça, qu'on a une vue globale, mais sinon, c'est extrêmement compartimentalisé et puis tu dois en fait... Par contre, tu dois quand même te mettre sur les épaules de c'est-à-dire tu dois... Si tu regardes la bibliographie d'un papier, tu sais plus ou moins sur qui la personne, elle, soit qui elle critique, soit elle s'appuie sur quelqu'un, soit justement elle se met en opposition avec quelqu'un. Dans les deux cas, ça va. C'est simplement pour s'inscrire dans un mouvement ou dans. On dit, parce que les gens, ils veulent savoir quand tu publies. Par rapport à qui tu publies et dans quel domaine. C'est rarement quelque chose de complètement nouveau. Tu ne peux pas apparemment publier un truc qui est basé sur rien du tout. Il faut toujours dire comme l'a dit machin, machin a dit ça et comme l'a dit machin, moi je pense ça. Et par contre, je trouve qu'il y a une petite nuance à ajouter là. C'est de ça que ça parle en tout cas. Mais je n'ai pas bien compris en fait. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le facteur d'immédiateté? Donc, il faudrait qu'on laisse la question comme non répondue et qu'on attendra que les autres... Mais du coup, quand est-ce qu'on pourrait possiblement, alors si on n'arrive pas à y répondre, envoyer des messages aux profs? Ils ont dit dès janvier, je ne sais pas, parce que ça, j'ai l'impression que... Qui va le faire? Qui va le faire? Et puis, il y a une possibilité que la personne ne réponde pas aussi. C'est pas grave, mais faut pas compter là-dessus. Il y a des profs qui ne répondront pas. Ils disent qu'ils veulent plus faire... Moi, j'ai un ami qui a fait son doctorat un peu sur ce sujet, peut-être qu'il saurait. Je me demande s'ils connaissent... J'ai un ami qui a fait son doctorat sur le cerveau et sur ça. Je peux lui écrire ce soir, mais je ne sais pas s'il saura. Au moins, je lui demande. Je vais lui demander ce soir. Ouais. Et demain, du coup, ça serait social et image, c'est ça? Ouais, je crois. Mais pas du tout. Alors, vu que j'ai fait social la dernière fois, je pense que je vais faire image cette fois-ci. Est-ce que vous avez déjà commencé à bosser image? Et si oui, est-ce que vous avez des conseils comment aborder le sujet? En fait... IMAD, ouais, j'ai pas encore commencé. Je me disais que j'avais encore le temps et que je peux faire plusieurs exercices en une journée. Mm-hmm. Et j'ai l'impression, je sais pas si ce sera vraiment trop compliqué les premiers TD. Je pense que c'est vraiment les derniers qui sont les plus durs. Ouais, je pense aussi. Ok, en tout cas, je vais faire ça demain. En tout cas, je pense que c'est le mieux, c'est de faire des exercices. Et au niveau des mains, qu'est-ce que vous les faisiez, les lectures, etc., qui sont dans le MOOC? Le MOOC de qui? De Janta? Oui, oui. Et il n'y en a qu'un de MOOC? Ah non, il y en a, je crois, 7 ou 8. De MOOC? Oui. Cours dans le MOOC. Ah, de cours dans le MOOC, oui. C'est le MOOC sur Coursera. Oui, oui, c'est ça. Moi, on doit le faire, ça? C'est ce que j'ai compris. Ça peut aider pour la révision, c'est surtout ça. Moi, ça complète, en tout cas, ça complète son cours, mais avec plus d'informations. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair après.
Je pense que ça dépend aussi de ton intérêt pour le cours, j'en sais rien en fait, je sais pas. C'est ça que je me demandais en fait, à quel point est-ce que c'était. Parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps aussi. Ah, ça prend vraiment énormément de temps parce que moi je comptais, j'avais pas eu le temps de faire encore. Ouais, mais je comptais faire ça. Je comptais faire le mock et puis faire aussi des questions. Enfin, je trouve que c'est comme ça aussi que ça rentre mieux. Vous avez lu d'ailleurs. Ah! Si vous faites les quiz sur le mock, est-ce que c'est possible que vous pouvez envoyer les questions? Parce que malheureusement, moi, j'ai fait les quiz, mais j'ai pas gardé les questions. Du coup, Ah, d'accord. j'ai passé, j'ai validé Ouais. et j'ai pas... je m'en souviens pas après. Et puis, du coup, peut-être toi, Michael, si tu commences à faire ça. Et au niveau développement social affectif, je sais pas quel livre vous avez pris en tout cas. Moi, j'avais pris le crétin digital. Ah, moi aussi, ouais. Ah bon, bah c'est bien, vous pouvez parler ensemble sur ça. Merci. Ouais. Ouais, je l'ai déjà lu, mais pas complètement. C'est-à-dire, il me manque encore deux, trois petits bouts. Il faut que je le relise un peu. Ah ouais. Mais moi aussi, je l'ai pas fini. Ok. Si vous avez des questions, bien, ce sera tout pour ce soir. En tout cas, il Ah, en reste que tout cas. il reste 2 minutes, donc moi ça va en tout cas, mais Ouais, moi c'est bon. Hein. Moi Ouais. aussi. Ouais. Bah, il faut qu'on continue à bosser, quoi, en fait. Ouais. Ok. Bah, alors à demain. Bah, Demain. écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas. Oui. Et puis bonne soirée à tous, quoi. Merci, pareillement, bonne soirée. Et puis on est toujours là si jamais, hein, disons. En tout cas, moi, si vous voulez refaire un truc plus tard, ou... mais il y a du boulot, quoi. C'est vrai qu'il y a du boulot. Donc, y a ce bouquin aussi qui est pas mal. Tu l'as ce bouquin ou... Non. C'est... Je l'ai dans le MOOC, en fait. Ouais, il est C'est dans le celui de MOOC Jantin? en PDF. Il est dans le MOOC en PDF, ouais. Mais ouais, Ouais, c'est le je l'ai. même. C'est le même en fait. C'est sur les perceptions, non? C'est sur les C'est sur... bébés, ouais. C'est sur Ouais, j'ai lu, en tout cas, je trouvais ça intéressant. compétences des bébés à la naissance, les Oui, compétences voilà. perceptives, les compétences Voilà. perceptives des bébés à la naissance. Ouais. Ouais. Mmh. Ok. Ben, bonne soirée à tous, en tout cas. Bonne Si jamais, soirée. écrivez sur le WhatsApp, et puis bon courage, en tout cas. Ouais, merci. Merci. À demain. Adam. Ciao. Au revoir. Salut. Salut.